Hi, my name is Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel! Class is pain 101. Your instructor is Casey Jones. Hey! Salut la gang! Et bienvenue à une autre review de votre channel, Casey Jones! Aujourd'hui, je suis heureux de vous faire cette review-là. Je viens tout juste de le recevoir. C'est une petite figurine de rien du tout! Et ça vient tout droit d'AliExpress! Oui, AliExpress! Aux États, c'est chez Target, mais nous, ici, au Québec, on n'a pas de Target! Fait que je suis allé chez AliExpress! Ben oui! Puis oui, c'est une vraie figurine, c'est pas une réplique tout croche! Puis, je vais vous faire la review! De qui je parle? Oh là là! Je parle de Mirage Comics Splinter! Oui! Maître Splinter dans toute sa splendeur! Tout droit de chez NECA! C'est parti! Voici le Master Splinter de Mirage Comics! Yeah! Wow! Super belle figurine de Maître Splinter version Mirage Comics. Je vous le dis, wow! Je suis vraiment impressionné par cette figurine-là. Il est vraiment beau. Pas super grand par rapport à une figurine de Turtle ou un humain normal. Tantôt, quand je vais vous le montrer de plus proche, je vais vous amener. J'ai amené Raphaël de Mirage Comics et j'ai amené Casey Jones pour vous comparer les grandeurs. Il vient avec quand même beaucoup d'accessoires, des affaires cool. Comme c'est une petite figurine, ben, ils nous ont un peu gâté, ils nous ont donné beaucoup d'accessoires. Et c'est tous des accessoires qui ont rapport avec Mirage Comics. Donc, il y a aussi la boîte que je vais vous montrer un peu plus tard pendant la review. Dessinée par notre ami Kevin Eastman. Vous le savez, les boîtes des Mirage Comics, des figurines de NECA sont faites par... les dessins dessus sont faits par Kevin Eastman. Donc, on va commencer avec... Premier accessoire, on va commencer avec le Mouser. Donc le Mouser, j'ai pas la première version des Mouser qu'il avait faite dans le temps. Il avait sorti la figurine d'April, puis le pack des 4 Turtles, le pack des 4 méchants, et un pack de Mouser. Donc je peux pas vous dire si le Mouser est pareil comme celui qui était dans le pack de Mouser. Mais je peux vous dire qu'il est vraiment très très beau. La couleur, ils l'ont mis comme un peu gris-bleu. Donc ça fait vraiment comic book. Et ici, l'intérieur de la bouche. Donc il y a les mêmes articulations que celui pour le cartoon. Donc sa tête applie au niveau ici. Comme vous avez vu, j'ai joué avec la mâchoire à roue à ferme. La mienne est un petit peu lousse. Mais elle tient quand même bien. Et il y a une articulation aux pattes comme ça ici. Donc, Mouser, très 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 beau. C'est le premier que j'ai dans la version Mirage Comics. Et c'est sûr qu'il va aller dans ma collection. Donc, il va aller dans mon display. Mais c'est pas vraiment un display, là, c'est une tablette que j'ai pris sur une bibliothèque. Et j'ai mis Mirage Comics là. Ça devrait donner ça avec les...
les autres figurines installées. Donc, c'est quand même cool. Donc, je suis content d'avoir Splinter dans ma collection. Donc, c'est ça pour le masseur. On va le tasser ici. En fait, je vais l'enlever de l'écran. Je vous l'ai déjà montré. Ensuite, le thé, le pot de thé. Mais la théière et la petite mini tasse. Donc, la tasse est vraiment minuscule. Là. Vous la voyez dans ma main. Donc, je vous dis, si vous lavez la figurine, je vous conseille de faire hyper attention. Petit article vraiment petit et vraiment très dangereux de les perdre. Et justement, ils viennent de flyer de mes mains. Mais par chance, elle n'est pas tombée loin. Donc, la petite tasse, vous avez vu, elle a glissé de mes mains et elle est partie. Donc, on va la mettre à côté. La théière, donc une théière avec un manche avec du tape. Donc, c'est probablement une théière que Splinter a trouvée dans les poubelles. Donc, avec les scratchs ici pour faire comme une bande dessinée. Ça, c'est la petite télière de Monsieur Maître Splinter. Ensuite, ils ont un Outron. Donc, c'est pas un Krang, là, pour ceux qui connaissent les bandes dessinées. Ça, c'est un Outron. Pas mal plus gros que le Outron qui était avec ici. Avec le Android Body de, avec le Outrun. Donc, plus gros. Il ne rentrera pas dans le ventre, ça, c'est sûr. Donc, c'est un chunk de plastique pour nous montrer que c'est un Outrun. Il n'y a pas d'articulation, il n'y a rien. C'est juste comme un morceau de plastique. Un gros chunk de plastique, rien de spécial. À part que ça nous fait un Outrun de plus dans notre collection. Ensuite, vient ici. Donc, c'est la canne de Mutagen de TGRI. Mais c'est TCRI. C'est dessiné un peu tout croche, là, mais c'est TCRI pour faire comme si c'était un dessiné au crayon. Donc, avec la flaque ici de Ooze qui les a toutes transformées en mutants. Donc, c'est cool ici. C'est un chunk de plastique. Ici, on peut voir la date. 2022 que ça a été fait. Mais on est en 2023. Donc, ici, vraiment cool. Donc, il n'y a pas de scratch. Il n'y a pas d'affaire pour montrer que c'est pété. Elle est tombée. Drette. Et elle s'est éparpillée partout. Et, ben, tu sais, tant qu'à nous donner le truc de mutagène, vous êtes aussi bien à nous donner les petites turtles. Donc, ici, on a 4 turtles qui sont exactement pareils, les 4. Donc, ils sont dans la même position, ils n'ont rien de spécial. Ils ont une petite bouche de dessinée avec des mini-yeux. Donc, je vais en passer ces trois, puis je vais vous en montrer juste une. Donc, il y a des petits yeux de dessinée avec des bouches. Ici, la carapace de devant, carapace en arrière. Donc, très beau. Donc, c'est super bien fait. C'est un chunk de plastique en moulé en turtle. Donc, c'est une tortue. Vraiment beau. Et ben, ils nous ont donné un Splinter Baby. Donc, pré-mutation Splinter. Donc, cool ici. Donc, ben, il est une espèce de position arts martiaux, ninja. Là. Il va nous sacrer un coup de griffe dans la face. Donc, mais non. En tout cas, super bien fait. Donc, le visage est ressemblant au gros Splinter. Donc, on va tasser ici. Et il vient avec plusieurs mains. Dans la boîte, il venait avec les deux mains ouvertes comme ça. Parce qu'il n'y a pas de poing. Donc, ils n'ont pas mis les mains avec les poings en premier. Donc, il vient avec deux mains ouvertes dans la boîte. Donc, mais moi, j'ai enlevé les mains et j'ai remplacé par... Il vient aussi avec deux mains qui pointent. Comme ça ici. Et il vient avec deux mains entrouvertes comme ça pour tenir ses accessoires. Et en parlant d'accessoires, ben, il venait avec sa canne. Parce que Splinter ne part jamais sans sa canne. Ni dans les cartoons et ni dans les comic books. Sauf dans le film. Mais je me souviens même pas si on le voit dans le film avec elle. Donc, c'est ça pour les accessoires de Splinter. Et, ben, naturellement, sa robe est en tissu.
Donc, on peut la placer comme on veut. Juste une petite parenthèse, question d'histoire. Quand la figurine a sorti, ben pas la figurine, mais quand la BD a sorti en noir et blanc, ben Splinter et les Turtles, naturellement, étaient en noir et blanc. Et dans la première version, ils ont décidé de les mettre en couleur, la première version en couleur, Splinter, son kimono était beige comme le premier film. Et c'est après, quand ils ont refait un autre BD, la BD en couleur, ils ont décidé d'y mettre le kimono rouge. Donc le beige et le rouge sont quand même corrects. Donc tout dépendant à quelle version vous voulez avoir, cette version-là Neka a décidé de leur donner, de lui donner le kimono rouge. Et moi je trouve ça y fait très bien. J'ai un extra Splinter qui traîne à quelque part. Peut-être que je vais voir s'il est plus beau avec la robe beige. Mais pour l'instant, moi, je le trouve super beau. Donc, comme je dis, c'est une petite figurine. Il y a quand même quelques articulations. Il y en a un au niveau de la tête. Ici, il y a un joint, ici, on peut voir. Et il y a un joint simple au coude. Et son bras, ben, naturellement, bouge en haut, en bas, et on peut le plier comme ça. Et sa main tourne. Et sa main, il y a l'articulation comme ça pour pencher de même. Donc, je vais peut-être le placer comme ça, mon Splinter. Je le trouve beau de même. Ouais. J'ai trouvé une position pour le placer dans mon display. Et il y a une articulation à la taille. Et l'articulation, naturellement, il y a un ball joint à la jambe et au genou. Double joint. Et il y a le fameux articulation à la cheville, normalement. Comme d'habitude. Donc, je vous ai dit, j'ai trouvé la position pour le placer dans mon display. Je trouve qu'il est pas mal cool comme ça. Et, comme je vous ai dit, c'est une petite figurine. Donc, si on amène les Turtles, ici, on a Raphaël. On peut voir que Splinter est très, 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 très petit. Il y a à peu près, je sais pas si on peut voir à peu près ça de différence. Il est quand même assez grand. Et je veux dire, quand même très petit et la grandeur est différente par rapport aux deux. Et si j'amène Casey Jones de Mirage Comics, on peut voir, ouf, je vais essayer de montrer un peu la caméra comme ça. Et voilà, on peut voir que Splinter est très très petit par rapport à un humain normal. Donc, c'est tout pour moi. J'ai fait le tour de la figurine de Master Splinter version Mirage Comic. Moi, je l'ai pris sur AliExpress. Probablement encore disponible. Quoique, il y a eu comme une vague. Ils en ont sorti des nouveaux. Ils ont arrêté d'en faire. Et là, ils en refont. Ça devrait être disponible à l'heure où vous regardez cette review-là. Donc, si je réussis à le revoir sur AliExpress, je vais mettre un lien pour le commander. Je vous le dis, si vous avez la collection Mirage Comics et vous voulez continuer avec les figurines, Master Splinter, c'est une très belle addition à votre collection. Donc, c'était votre chum Casey Jones qui vous a fait la review de « C'est pas vrai, j'ai pas fini! » Il me reste la boîte, les amis. Ben oui, je vous ai pas montré la boîte. Donc, comme vous savez, c'est Kevin Eastman qui fait les dessins pour les boîtes de la collection des figurines de Mirage Comics. Donc ici, on peut voir Maître Splinter avec la canne pétée, ben brisée, et un turtle. Et de l'autre côté, ben on peut voir des shots de la figurine placée avec différentes expressions. To be continued. Donc, lui, il est sorti, mais je vais le mettre ici. Sa version est bleue. J'ai comme pas envie d'avoir des figurines de toutes sortes de couleurs. Moi, j'ai envie d'avoir les figurines qui matchent avec les figurines que j'ai. Donc, ils en ont sorti des versions en noir et blanc, puis des versions en différentes couleur bleutée comme le Shredder. Ici, Battle Damage. Je trouve ça un peu dommage parce que... En tout cas, je pense qu'ils ont comme trouvé un moyen de faire des sous.
et en sortant toutes sortes de couleurs. Donc lui, c'est le numéro 8 de la collection de Mirage Comics. Donc ici, très belle shot de Splinter. Donc ben c'est tout pour moi pour de vrai. J'ai terminé. Je vous ai fait la review de Master Splinter version Eastman and Laird Teenage Mutant Ninja Turtle Comic Mirage Comic. Et c'est votre chum Casey Jones qui vous dit. Shawabanga!